Avec mon ami et consoeur Raphaël, on voulait raconter une ville française, mais pas n'importe laquelle. Et Trappes nous a semblé très intéressante, la ville de Trappes dans les Yvelines, parce qu'elle concentre un peu tous les défis et les questions que se pose la France aujourd'hui. C'est une ville à forte immigration, on a découvert que c'était la ville d'Europe où était parti le plus grand nombre de jeunes gens pour faire le djihad, 67. C'est une ville aussi où ont eu beaucoup de succès, de stars et d'artistes très connus des Français, que ce soit Omar Sy, Jamel Debbouze, mais aussi le footballeur Anelka, le rappeur Lafouine. Et donc on s'est dit, on va raconter l'histoire de cette ville sur 60 ans, ce qui permet de raconter aussi la France pendant 60 ans. On a commencé après-guerre, enfin plus exactement à la fin des années 50, quand arrive la première vague d'immigration. On a retrouvé des vieux habitants de Trappes qui racontaient très bien comment ils avaient été recrutés par l'industrie automobile qui encercle cette ville des Yvelines. Et puis on s'est arrêté finalement à la présidentielle, puisque Benoît Hamon, qui était le député de Trappes, y était candidat, et qu'il avait fait en sorte de Trappes un peu son laboratoire, comme ses prédécesseurs communistes, puisque la ville est communiste jusqu'en 2001, avaient fait de Trappes une forme de laboratoire aussi, mais du XXe siècle. C'est une ville qui racontait très bien, dans les années 70 et au début des années 80, le vivre ensemble. C'était l'expression consacrée. Aujourd'hui, on ne dit plus tellement ça, mais c'était une sorte d'expression langue de bois. Et c'est vrai que toutes ces nationalités, il y en a eu 70, cohabitaient très très bien dans les squares, puisque à Trappes, l'architecture est un peu particulière. Ce sont des squares et pas des cités. Et puis, dans les années 90, sont arrivées successivement la drogue, avec la drogue, le sida, les premiers recruteurs ou prédicateurs Tablir, puis les anciens du GIA qui arrivaient d'Algérie, et enfin les salafistes, et tout ça est devenu beaucoup plus compliqué. Et c'est ça que raconte notre livre La Communauté. Alors on a l'habitude de travailler ensemble parce qu'on est voisines de bureau au Monde, donc on a une vraie habitude. L'intérêt c'est que de se connaître, c'est qu'on se fait confiance. Si on n'a pas confiance en l'autre, c'est pas possible. Et donc on est, c'est évidemment pas du roman, on ne se prend pas par des écrivains, nous sommes des journalistes, donc on n'a pas forcément la susceptibilité que peuvent avoir certains. Et en fait on ouvre un document commun, un Google Doc, et on travaille ensemble. Et voilà, parfois on faisait les interviews à deux, parfois seuls.